Salut, c'est Roux. Sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Merci de vous y abonner. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage au très très grand Marcel Dadi. Au travers de ce morceau Fuller Blues que je viens de jouer pour vous, nous allons analyser certains de ses motifs qui reviennent fréquemment dans son jeu. Marcel Dadi a popularisé en France dès les années 70 le picking, à une époque où le rock and roll et la guitare électrique étaient beaucoup plus populaires. Sa plus grande influence était le guitariste américain Merle Travis, père de la fameuse technique du Travis picking, dont je parle régulièrement sur cette chaîne, et qui consiste à alterner des notes de basse jouées au pouce avec des notes de mélodie, le plus souvent avec l'onglet, dans un registre country et blues avec des tempos assez élevés. Le son de Marcel Dadi était immédiatement identifiable grâce à ses guitares Ovation dont il était l'ambassadeur. Le morceau que je vous invite à travailler aujourd'hui pour illustrer ce tutoriel s'appelle Fuller Blues. La première fois que j'ai vu Marcel Dadi le jouer, vous pouvez suivre ce petit lien si vous voulez voir la vidéo. J'ai été super impressionné et enthousiaste et je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à le jouer. J'ai fait de mon mieux pour faire la transcription la plus fidèle possible. Mais il faut reconnaître qu'il ne joue pas exactement de la même manière quand il le montre lentement et quand il le joue rapidement au début. Donc ce que je vais vous montrer, c'est la version rapide, la première version qu'il montre. Si vous n'êtes pas familier avec la technique du Travis picking, je vous invite à faire déjà un petit tour par ce lien et suivre ce tuto qui s'adresse vraiment aux novices. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu plus avancé. Je vais maintenant vous jouer tout ça au tempo de 80 BPM avec les tablatures qui défilent en dessous. Le tempo initial est de 150 BPM, mais surtout travailler ça très très lentement, assimiler les motifs avant d'essayer de les jouer plus vite. Les tablatures en format PDF et Guitar Pro sont également disponibles sur Tipeee. Ouvrez les liens dans la description de cette vidéo. J'en profite pour remercier tous les tipeurs qui me soutiennent et je vous rappelle que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner simplement à la chaîne Roux Guitare. C'est gratuit. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et... On démarre directement par là où on vient de terminer avec ce magnifique Mi 6-9. Vous pouvez le jouer à deux doigts comme ceci ou à deux doigts comme ceci avec le doigt numéro 3. C'est un peu plus facile d'appuyer. Alors, la position n'est pas super confortable. Donc vous allez avoir besoin de rentrer un petit peu le coude et d'appuyer assez fort donc pour avoir la tonique, la tierce majeure, la sixte, la neuvième, la quinte et l'octave. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir tous les motifs, nous allons analyser les principaux et les plus intéressants, voire les plus complexes. L'introduction, rapidement, c'est avec la corde de Si et la note Si, double note.
va falloir jouer assez rapidement et assez net pour pas avoir en fait de cordes qui résonnent contre la frette. Avec le doigt numéro 1, vous allez accrocher comme ça deux cordes. C'est pas grave si vous en accrochez trois. C'est vraiment pour donner du rythme. Faites attention à avoir bien le swing. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Et il enchaîne ensuite avec le Mi, Fa dièse, Sol dièse. Et le thème commence. Vous verrez Marcel Dadi en fait le jouer avec le pouce sur la cinquième case pour faire sa basse. Donc La, La. Pour ma part, c'est impossible en fait d'utiliser le petit doigt. J'ai bien essayé. Et c'est plus facile en fait d'avoir la corde à vide finalement. Que d'avoir le pouce, ça m'oblige à lever le poignet. Donc si vous avez la patience, essayez avec le pouce autrement, vous avez exactement les mêmes notes, que vous fassiez 0, 7, 0, 7 ou 5, 7, 5, 7. La différence n'est pas énorme. Le motif suivant, c'est le motif le plus complexe. Il va falloir le passer avant d'attaquer le reste du morceau si vous avez l'intention de jouer le morceau en entier. Alors vous pourrez ensuite le jouer à votre manière si ces motifs vous semblent peu naturels. On va démarrer par un Mi 9, comme ceci. J'ai un demi-barré à la case numéro 4 sur les cordes de Ré et Sol. Ensuite, j'ai le doigt numéro 1, donc le Ré, la 7e mineure, qu'il va falloir jouer nettement, donc sans étouffer avec le doigt numéro 2. Vous voyez que je l'étouffe un petit peu si je ne lève pas assez le doigt. Et ensuite, donc, le doigt numéro 3 sur le Sol dièse, donc la tierce majeure. Le Sol dièse, on le retrouve en basse avec le pouce. Ça fait beaucoup de choses. Il va falloir libérer cette corde de Mi ensuite. Et maintenir cette basse. Donc difficile de ne pas avoir les cordes qui buzzent, puisque ce doigt du milieu, il va devoir appuyer sur deux cordes en même temps. C'est pour ça que vous allez essayer d'étouffer le plus possible avec la main chevalet. Ça va faire ceci. 4, 3, 4, 3. 4-0-4-0-0-4. Bien faire deux fois 4-4-0-1 avant d'aller sur le 6-7e. Le motif en La 7. C'est un motif qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de Marcel Dadi. Donc il va alterner la basse 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Donc ça, c'est dans le plus pur style Chet Atkins. Et je vous conseille de travailler donc à part ces deux mesures. Donc vous avez la corde de La. Elle va durer longtemps. Et ensuite, la double note, 5, 2. En demi-barré, vous allez prendre la case numéro 2, corde de Si. Entraînez-vous déjà avec ceci. Ensuite, vous allez mettre le doigt numéro 2 à la troisième case avec la corde demi-grave. Petit doigt cinquième et vous revenez. Faites tourner cette première mesure. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et 4. Deuxième mesure. 5, 3, 5, 0. Donc la corde à vide, Mi. Et on revient sur la basse à la deuxième case. Ça, c'est un motif qui sonne très joyeux, qui est très dynamique, qui est très sympa à jouer. Pensez bien à étouffer pour avoir cette dynamique au niveau des cordes de basse. Vous allez devoir le travailler des centaines de fois avant d'espérer de pouvoir le faire sonner comme Marcel Dadi. Un autre accord que vous allez voir Marcel Dadi beaucoup jouer, eh bien c'est ce 6-7e. Au lieu de le jouer comme ceci, comme vous le connaissez, et éventuellement changer la basse, lui, il va mettre cette basse, cette quinte,
avec le pouce, il va être joué avec le pouce. Et la neuvième, il va l'obtenir avec le do dièse à la deuxième case. Donc je vais placer deux doigts directement comme ceci pour avoir la septième mineure et la neuvième. Et le doigt numéro 1 tout seul sur la case numéro 1. Comme ceci, je vais pouvoir avoir des doubles notes dans ma rythmique de basse. Au lieu de faire 2, 1, 2, 1, 2, 1, bien, je vais appuyer un petit peu plus fort. Et c'est le doigt numéro 3 que vous allez libérer pour faire les 0, 2, 3. Donc ça va faire... Doigt numéro 3. 3 avec le petit doigt. Doigt numéro 3. Vous relâchez la corde vide. Il passe avec le mi. Donc là, vous pouvez faire une dyade encore. Insistez bien sur la tonique, pardon, sur la fondamentale et la tierce majeure. Et donc là, encore un 6 septième. Le dernier motif qu'on va regarder, c'est celui avec les pull-off. Donc celui-là, il est très très simple. Maintenant, peut-être que pour certains d'entre vous qui ne sont pas habitués au pull-off, ça va poser une petite difficulté technique. Donc, tenez fermement votre onglet entre le pouce et l'index pour avoir cette dynamique. Et ça va faire 3, attaquer au médiator, 2, pull-off, 0, pull-off. Donc, tirez la corde vraiment vers le bas, exagéré, hein, pour avoir du son. Vous allez faire la même chose sur la corde adjacente. Mais là, au lieu d'enlever ma main sans faire attention, il y a le risque de faire résonner deux cordes. Donc en fait, je vais utiliser un doigt de la main côté manche pour étouffer. Vous voyez que ce doigt, en fait, il étouffe la corde de mi. Alors il y a le risque, évidemment, en attaquant un petit peu la corde de côté avec le doigt, c'est de la faire buzzer. Essayez d'être fluide et surtout de jouer des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors on n'a jamais besoin de les jouer aussi vite en fait. Remis dans le contexte, ça va faire... Donc ces deux dernières notes, en fait, je forme un mi par sécurité. Mais en fait, on va jouer simplement... corde de mi grave et corde de si et mi. C'est le moment pour déplacer sa main avec les cordes qui résonnent et le mi 6-9. Allez, à vous de jouer. Retournez au début de cette vidéo pour vous entraîner avec les tablatures. Vous ouvrirez la description de cette vidéo et vous accéderez aux liens et aux raccourcis. Vous savez, cette technique du Travis picking et du picking en général, elle n'est pas très très populaire sur YouTube, mais c'est une technique qui est absolument géniale. Donc si vous pensez comme moi, eh bien s'il vous plaît, faites-le moi savoir, je produirai plus de tutos dans ce style-là. Votre support m'est indispensable, j'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs, ça me fait vraiment super plaisir et ça fait de ces tutos un véritable bonheur à créer. Maintenant, l'un des moyens les plus sûrs pour me soutenir, ça reste... vos abonnements. Sachez que 80% de l'audience de cette chaîne n'y est pas abonnée. Alors évidemment, c'est pas possible d'avoir chaque vue un abonnement. Je le comprends totalement, c'est les règles du jeu. Mais c'est vrai que bah, c'est tout simple, ça vous coûte rien. Et moi, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve sans faute lundi prochain pour un prochain tuto. Bye bye.